to shuttle launch control at T-minus 3 hours and holding. And we have Michael Full. This is a special mission for him. He's flown 3 times before, but on this particular flight, of course, he will be staying on board the Mir space station. La perspective de travailler à bord de la station Mir ne m'emballait pas du tout. Mais je m'étais raisonné en me disant qu'il fallait que je relève ce défi si je voulais continuer à travailler à la NASA. J'ai eu la possibilité d'emmener ma famille en Russie et de vivre pendant 1 an et demi à la Cité des Étoiles. C'est une ville à part, entièrement réservée aux cosmonautes. Mais rien à voir avec la Floride et Disney World pour les sorties familiales. C'était Moscou en plein hiver, loin de Houston et des autres astronautes. L'entraînement était éprouvant. C'est une des choses les plus dures que j'ai jamais faites. Le programme Shuttle Mir a été lancé vers 1992-1993. C'était une collaboration américano-russe, dont l'objectif final était de construire une station spatiale. La phase 1 consistait à apprendre à travailler avec 2 véhicules complètement différents, qui n'avaient pas été conçus pour ça, la navette spatiale et Mir. Pour beaucoup d'entre nous, c'était une étape nécessaire en vue d'une collaboration pour la construction de la SSI. Mais ça s'est avéré encore plus compliqué qu'on ne l'avait imaginé. À l'époque, le scientifique américain à bord de Mir était Jerry Leninger. Un matin, à 2 heures, j'ai reçu un appel m'informant qu'il y avait eu un incendie à bord de Mir. Des pièces qu'on appelait des chandelles avaient pris feu dans un des modules et les flammes s'étaient propagées. À plusieurs reprises, j'ai eu la confirmation que Jerry n'avait rien. Mais les Russes ont mis du temps à nous expliquer ce qui s'était passé exactement. On a dû faire le forcing pour obtenir des informations. À la Cité des Étoiles, on ne m'a rien dit. D'après les Russes, il ne s'était rien passé de grave. Et puis j'ai reçu le rapport de Jerry Leninger. L'incident s'était produit juste avant que je ne reparte aux États-Unis pour embarquer dans la navette. Ça n'a évidemment pas calmé les inquiétudes que j'avais déjà.